Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo où on est à nouveau à l'extérieur. Je vais finir par m'y habituer. Et j'aimerais bien qu'on parle un peu de... Je vais faire demi-tour, il y a une voiture. Qu'on parle un peu de du fait de dessiner en tout petit. Ça, c'est une chose que les débutants font souvent, dessiner en tout petit. Et je recommande toujours de dessiner en grand. C'est vrai qu'il y a énormément de détails, c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages à dessiner en grand et je recommande toujours de dessiner en grand, surtout quand vous êtes débutant. Mais je parle peu aussi des avantages qu'il y a à dessiner en petit et c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo. Mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Donc, un des premiers avantages au fait de dessiner en tout petit, c'est que ça va permettre de découvrir d'autres limites. Quand vous dessinez en grand, en fait, vous dessinez avec le bras entier et donc ça apporte, vous avez plus de chances d'apporter un certain dynamisme à votre dessin. En dessinant en petit, vous dessinez avec le poignet, donc vous allez acquérir de nouvelles compétences et ça va vous permettre de dépasser certaines limites ou de découvrir d'autres limites. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça va limiter votre capacité, à dessiner certains détails. Dans un grand dessin, vous avez beaucoup plus de place pour ajouter les détails. Alors qu'on peut, sur un petit dessin, sur une petite feuille, ça va limiter votre capacité à dessiner les détails, mais vous allez avoir une approche qui va être différente. Et c'est un autre avantage. Vous avez un processus qui est totalement différent de lorsque vous dessinez en tout petit. Sur le dessin que je suis en train de faire là, par exemple, j'ai essayé, parce que j'ai pas l'habitude de dessiner en petit, mais j'ai essayé d'avoir le même processus que lorsque je dessine en grand, mais je me suis rendu compte que c'est pas très adapté aux petites feuilles. Donc, j'ai apporté une autre approche. Au bout d'un moment, j'ai apporté une approche qui est différente et je simplifie en fait le dessin au maximum. Je simplifie même la construction pour à la fin avoir un dessin qui peut être tout aussi impressionnant, moins détaillé, moins complexe, mais tout aussi impressionnant qu'un grand dessin. Voilà, ça permet aussi de prendre du recul quand vous avez une grande feuille. Vous êtes toujours proche de votre feuille. Mais c'est important de prendre du recul, de se reculer et de voir de loin le dessin pour voir plus facilement s'il y a des erreurs ou pas. Alors que lorsque vous êtes devant une petite feuille, vous pouvez plus facilement prendre du recul, surtout si vous êtes dans une petite pièce et que vous n'avez pas la possibilité de prendre un grand recul. Donc c'est aussi bien de dessiner en petit de temps en temps. Vous pouvez aussi largement faire le dessin beaucoup plus rapidement, bien sûr. Sur un grand dessin, je vais y passer peut-être une semaine. Sur le dessin, alors que je pourrais passer une seule journée si je faisais que des petits dessins. Et ça facilite grandement, je pourrais enchaîner pas mal de dessins comme ça, et vous aussi vous pouvez le faire, dessinant tout petit. Mais ça doit pas devenir une habitude, faut vraiment alterner, dessiner en grand très souvent et de temps en temps dessiner en petit. Et ça arrive si on vous demande des dessins, des commandes, ça peut arriver aussi qu'on vous demande de dessiner en petit. L'autre avantage, c'est que vous pouvez l'accrocher partout. Vous pouvez l'accrocher partout, alors qu'un grand dessin, c'est quand même difficile à transporter. Il va falloir avoir le support adapté pour ça, alors qu'un petit dessin, vous pouvez le mettre dans un petit carnet, le transporter dans votre sac et le tour est joué. Voilà. Vous pouvez l'accrocher partout. Donc, ça vous permet aussi de quitter votre zone de confort. Voilà. Quand vous avez trop l'habitude de dessiner en grand et d'ajouter plein de détails, dessiner en petit vous permet de quitter votre zone de confort et d'adapter votre dessin à la taille de la feuille. Ça aussi, c'est un gros avantage. C'est bien aussi de tester plusieurs choses dans le dessin ou même dans la vie en général. Mais là, dans ce cas-là, on parle de dessin. De tester plusieurs choses, plusieurs supports, plusieurs tailles différentes. Moi, j'ai tendance, avant, je dessinais en petit et j'ai tendance, plus je m'améliore en fait, et plus j'ai tendance à dessiner en grand. Mais j'essaie là de revenir sur des petits dessins pour avoir une approche différente, pour faire des choses un peu différentes de ce que je fais d'habitude. Voilà un peu pour les avantages du fait de dessiner en petit. Moi, je vous le conseille, de temps en temps, au moins dessiner en petit.
ça peut être une belle approche. Vous pouvez faire des choses vraiment excellentes. Si vous voulez dessiner rapidement, faire un dessin rapide, dessiner en petit au lieu de dessiner sur une grande feuille, vous pouvez aussi faire des choses très rapides. Encore des dessins, même des croquis. Même les croquis, je conseille de les faire en tout petit, de manière générale. Ou même des dessins très poussés, très détaillés, sur une petite feuille. Pour toutes ces raisons, vous pouvez dessiner en petit et ensuite revenir sur des grandes feuilles la plupart du temps. Voilà, j'en ai terminé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous vous en pensez. Est-ce que vous dessinez en grand ou en petit? Sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, vous avez aussi droit à une formation totalement gratuite sur les bases du dessin. Donc, je vous apprends la construction géométrique, comment dessiner les contours de tout ce que vous voulez, comment construire sans faire d'erreur et le processus des valeurs, comment placer vos valeurs ombre-lumière. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Excellente journée à vous. Ciao.